contradictoire. D'ailleurs, je pense que vous allez venir nous informer la parole. Cette procédure, elle est écrite tout simplement. Alors, vous avez déjà répliqué, vous voyez, c'est bien ce qui arrive, qu'est-ce que nous allons en faire, comment nous allons nous comporter. Nous disons que la Cour constate un acte de liberté. Et que ces pièces ne seront pas reçues, la Cour n'en aura aucun égard pour tant de Dieu. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, et comme nous l'avons dit, la Cour, nous insistons, nous le demandons à tous les assistants, n'est en réalité pas saisie. Vous allez l'examiner. Et le texte portant le même numéro est initié par deux personnes différentes, dont l'une n'a pas qualifié d'ailleurs. Mais on se demande pourquoi. Ils savent la cour qu'ils ont formée. En retirant la première requête pour la remplacer par la deuxième, mais ils se sont trompés parce que le greffier a fait pas de pièce versée au dossier. Comme vous l'avez constaté, il y a deux requêtes et les deux requêtes, aucune de vous saisit. Je vous remercie. Merci beaucoup, maître. Je pense que vous êtes dans la exprimée. La Cour va accorder la parole aux experts de la CENI. La Cour appelle à la CENI qui est comparée comme experte et non pas comme partie. La CENI. Ce calendrier a été suivi scrupuleusement.
fait faillir de la dynamique de l'opposition. Si on suivait de manière scrupuleuse ces calendriers qui a eu la campagne électorale, jusqu'au jour, précisément la nuit du 13 au 14 décembre 2008, il y a eu quelques incidents qui ont entraîné l'incendie des entrepôts centraux de la CENI, brûlant ainsi près de 11% du matériel prévu pour le déroulement du scrutin. Nous rappelons ce que c'est pourquoi. Parce que le 20 décembre, durant conséquence des effets des dégâts de cet incendie, la CENI, pouvoir organisateur du processus électoral, a rendu public une autre décision. C'est le numéro 50, par CENI, par BIR, par 18, du 20 décembre 2008, modifiant le calendrier électoral. En plus de cette décision, saisie par le ministère de l'Intérieur, ayant en sachant de la sécurité du pouvoir, la CENI a rendu une autre décision le 26 décembre 2018. C'est la décision numéro 055, par CENI, par BIR, par 18, du 26 décembre 2008, relative à la reprogrammation des élections directes prévues au 30 décembre 2018 au mois de mars 2019. Et cette décision concernait les circonscriptions de Yumbi dans la province de Maïdomé et les circonscriptions de Beni, Beniville ou Tembo dans la province du Nord-Kivu. Nous avons rappelé ces trois décisions qui sont en fait des actes administratifs de gestion de la CENI. Et à l'application à ces trois décisions, à l'application de ces trois décisions, le 3 décembre 2008, le scrutin a effectivement eu lieu dans toutes les circonscriptions, sauf à Yumbi, à Beni, Beniville et Tembo. À l'issue de ce scrutin, de l'opération de vote terminée, les bureaux de vote se sont transformés immédiatement en bureaux de dépouillement. Et comme la loi l'exige, les bureaux de dépouillement sont structurés à l'unité à compter les bulletins de vote. Ces bureaux de dépouillement ont effectivement compté les bulletins de vote. Ils ont dépouillé les bulletins de vote et ils ont établi des procès-verbaux. Ces procès-verbaux ont été remis aux témoins présents qui en avaient formulé la demande. Ces procès-verbaux ont été placés en outre sous les plis des résultats. Et ces procès-verbaux ont été transmis en bonne et due forme au centre de cours de compilation des résultats. En plus de ces procès-verbaux, compte tenu de la spécificité du mode de vote appliqué au 30 décembre 2018, conformément aux procédures de vote et de dépouillement, les présidents de bureau des votes et de dépouillement ont remis au chef de centre de vote un prix fermé contenant des guerriers, le programme des données de chaque machine à voter pour envoyer ce centre de vote et pour l'ensemble des représentants pour une exploitation. Cela a été fait en bonne et due forme. Du 31 au 8 janvier 2019, la CENI a ouvert, établi et fait fonctionner 175 centres locaux de compilation des résultats au niveau de ses antennes. Et ces 175 centres locaux de compilation ont effectivement reçu tous les plis des bureaux de vote qui ont fonctionné, ont effectivement centralisé tous les plis. Et ont effectivement procédé à la vérification des conformités des données contenues dans les TISD qui sont le processus de dépouillement établi par les bureaux des votes de dépouillement. Cela a été en bonne et due forme devant des moins des observateurs. Nous nous souviendrons qu'en date du 3 janvier 2019,
indépendante, à l'occasion d'un point de presse, a signifié au public, à l'opinion publique, que la commission de l'État d'affaires indépendante était encore à 20% du traitement de prix, ce qui était bien normal. Et à ce moment, il n'était pas plus possible de rendre public les résultats provisoires. Le 6 janvier, mais à l'occasion de notre point de presse, le président de la CENI a fait savoir à l'opinion à la date, il est arrivé à ce moment de taux de compensation et compilation des résultats présidentiels. Il a fallu attendre le 9 janvier 2009, pour que la CENI soit en possession des résultats des données issues de tous les bureaux des postes de suivant. Et la plus encore, la compilation de toutes ces données, de tous les bureaux des postes, qui a conduit à l'annonce des résultats conformément à l'article 71 de la loi électorale de la manière qui a fait. Le candidat Félix Tshiombo est proclamé élu. Soit 68,57% du suffrage par la masse exprimée. Et les candidats de référence étaient proclamés et étaient proclamés avec 6,366,732 voix, soit 34,83% de voix obtenues, conformément ou par rapport au suffrage par la masse exprimée. Ces résultats sont les résultats annoncés en bonne et due forme et en toute régularité par la CENI. Mais, à l'acte du 11 et du 12, la CENI a été incorporée et a reçu la documentation ayant fait à deux lettres, une seule sur le plan formel, mais deux sur le plan de contenu, contre les résultats provisoires publiés. Et cette lettre indique pour la première que le candidat, M. Fayoul Enguerrand, le premier document, aurait obtenu 11,251,987 voix, représentant 71,57% du suffrage valablement exprimé. Étonnement. La même requête, dans son contenu, contient un autre document, reprenant pour le même candidat le suffrage de 8,648,635 voix, représentant 47% du suffrage valablement exprimé. C'est devant cet embarras, cette imprécision, cette incertitude que la CENI arrive devant vous pour donner les éclairages techniques qui a fait. Nous avons dû vouloir plutôt commencer par des remarques de forme, mais nous pensons que les partis les ont bien étayés devant. Mais nous insistons qu'il y a une jurisprudence abondante dans ce genre de cas, quand le pouvoir placé en justice n'a pas été explicitement donné à un institut, il y a une jurisprudence abondante qui demande que la requête soit clairement déclarée irrecevable. Cela a été bien déclaré, bien développé devant vous. Revenons en moyen de fond. C'est là que nous sommes utiles devant vous. Le premier moyen, le requérant soutient, affirme et est confirmé devant vous que la CENI aurait rendu public les résultats provisoires sans avoir terminé la compilation des résultats, sans avoir tenu compte de l'intégralité des résultats de tous les bureaux de vote. Deuxièmement, la CENI aurait rendu public les résultats sans avoir affiché les fiches de compilation au niveau des territoires. C'est cela que nous avons décidé. Ce sont les arguments, les éléments que nous avons retenus du premier moyen. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Et nous le relevons. Il s'agit bien
sont les procédures. Sinon, une méconnaissance des procédures. Les articles 70 évoqués, 71 et 71 disent, c'est vrai en le disant, donc on examen que le premier alinéa de l'article 70 dit autre chose. Il faut commencer par lire le premier alinéa de l'article 70 qui dit ceci. Il est établi et installé un centre local de compilation des résultats par circonscription électorale. C'est d'abord ça, c'est du point de départ. Mais c'est quoi la circonscription électorale pour l'élection du président de la République? Article 100, la loi électorale. La circonscription électorale pour l'élection du président de la République, c'est le territoire national. On vient de nous évoquer l'existence de 175 bureaux de centres locaux de compilation des résultats qui auraient dû compiler et qui auraient dû afficher. On méconnaît cet alinéa. En réalité, nous sommes en présence de trois scrutins compilés. On a donné actuel pour trois scrutins, un scrutin combiné. 2010, c'était le scrutin combiné présidentiel législatif national, présidentiel législatif provincial. 2011, c'était le scrutin combiné présidentiel législatif national. Et là, nous sommes en face du scrutin combiné présidentiel législatif national et provincial. Mais force avec la réalité de combinaison de scrutins, la CENI ne pouvait que prévoir sur le plan opérationnel autant de circonscriptions électorales pour être en mesure de prendre en compte toute catégorie de scrutins. Mais ça ne veut pas dire que chacun des centres locaux de compilation des résultats, chacun des centres locaux de compilation des résultats était habilité à imprimer une fiche de compilation des résultats pour l'élection présidentielle. Non. Parce que pour l'élection présidentielle, la circonscription étant le territoire national, en réalité, le centre local de compilation des résultats, c'est le siège, le bureau national, l'Assemblée plénière de la CENI. Les centres sanitaires et ouverts à travers le pays sont des postes avancés de traitement pour faciliter la plénière de la CENI à faire la réception, la centralisation, la vérification de conformité. Mais ils ne peuvent pas se substituer à la plénière de la CENI pour compiler en lieu de la plénière de la CENI parce qu'ils ne sauraient jamais établir ni les suffrages valablement exprimés au niveau national, ni le nombre total de votants au niveau national, ni le taux de participation, ni le vote élu au niveau national. Ils ne sauront jamais. Quant à l'imposition des fiches partielles, les centralisations au niveau de chaque province et de chaque territoire, ces fiches ont été bien et bien produites. Elles sont déposées par la CENI au niveau de votre recours. Elles existent bel et bien. Et ces fiches ne peuvent être produites que sans la compilation au niveau national et vraiment terminée. Nous comprenons alors qu'il s'agit bel et bien d'une mauvaise compréhension des procédures. Et nous espérons que cette question que vous venez de donner sera utile pour deux parties en présence. Mais, voyons que, par absurde, parce qu'on n'a pas vu ça, on n'a pas entendu, on n'a pas lu, que certains bureaux de vote soient portés devant soi, soit disant que ça n'a pas été compilé, ou qu'ils soient, que la partie de mandataire pour convaincre du fait que la CENI aurait compilé avant l'affichage des résultats du code de centre, le code de compilation des résultats. Mais est-ce qu'il faut pour cela demander l'annulation? Nulle part. Parce que l'affichage, c'est une modalité de transparence. Mais cela n'implique pas que forcément parce qu'on n'aurait pas affiché à l'époque de la République, que ça aurait porté préjudice au roi obtenu par un candidat. Non. Nous pensons que ce moyen, le premier, n'en vaut pas la peine. Il ne s'agit pas de moyen. Il s'agit en fait. Il aurait été formulé à votre égard pour que la CENI vienne rappeler la procédure. Et je crois que c'est fait. Donc, votre cours déclarera ce moyen non premier. Le deuxième moyen, les requérants estiment que la CENI aurait publié autre résultat que le résultat venant des bureaux des votes. Nous étions très curieux d'apprendre cela. Et nous nous attendions qu'on
1000 bureaux de vote pour réaliser. Ce qui n'est pas possible. S'agit-il là une façon de demander que, tant que vous êtes membre de la haute cour, de faire un travail qui a été réalisé par 511 000 agents à travers le pays? C'est vraiment impossible. Mais ce que nous étions, le candidat, dans son droit le plus libre, il ne s'est arrivé de 71,5% de voix. Quelques temps après, lui-même s'est ravisé pour se donner 47% de voix. Et nous pensons qu'après cette audience, il sera convaincu qu'il a effectivement eu 34% de suffrage par la main exprimée. C'est clair. Parce que jusque-là, les changements d'avis, l'évolution des chiffres, et même en cours l'audience, l'audience dans laquelle nous participons, le candidat ne nous a pas dit dans lequel des bureaux de vote qui se sont laissés. Dans lequel des bureaux de vote qui estiment que la CENI aurait donné moins de voix que les voix obtenues. Nous ne savons pas. Par contre, le référent appelle au secours, demande à votre cour d'autorité qu'il y ait des témoignages. Bon, on va arriver à chercher des témoignages. Pour que votre cour autorise le comptage intégral. Et cette partie estime qu'elle peut se fonder sur les dispositions des articles 71. Mais quand vous prenez les dispositions de la loi électorale, en faisant des sauts, c'est normal qu'on pense qu'on peut les utiliser comme on les utilise. Avant d'arriver aux dispositions de l'article 71, comment ne pas réunir, remplir les devoirs, les obligations exigées par les dispositions de l'article 74 et le suivant? Commencez par nous éclairer de la partie référente, commence par nous éclairer où se trouve le doute. C'est sur base de ça, quand le doute aura été suffisamment éclairé devant vous, que votre cour va dire: ok, très bien. Les yeux extraordinaires, article 71, nous pouvons aller, pas aller au comptage intégral, mais dans les limites de doute prouvée. C'est ça l'article 71. Mais qu'on demande votre cours de faire le travail de 72 000 bureaux de vote. Même les centres locaux de population de résultats ne peuvent pas le faire. Et un rappel en matière des élections, chaque niveau, chaque structure opérationnelle a des pouvoirs d'attribution qui est spécifique. Les bureaux de vote, admis les électeurs pour voter, les bureaux de dépouillement, compte et dépouillent vote, les chefs centralisent les représentants, les bureaux de la CENI à la plénière, après délibération de la plénière, rend public ou annonce les résultats provisoires, et votre vote pour connaît du contentieux et publie les résultats définitifs. Malheureusement, on voudrait que votre haute cour reprenne le travail depuis les 72 000 bureaux de vote qui ont fonctionné à travers le pays. En l'espace d'une semaine, et sans précision quelconque, ce secrétaire de vote est autant disséminé à travers le territoire national, parce que nulle part le législateur a demandé qu'on amène des bulletins de vote devant votre haute cour. Vous êtes dans les possibilités techniques de réaliser dans les délais de 7 jours cette demande qui est en elle-même une demande trop générale, une demande imprécise. Le troisième moyen, le référent estime que certaines missions d'observation peuvent venir devant vous pour témoigner. La CENI, puisant, examinant et rentrant dans son expérience technique, c'est sans étonner de cette demande. Ça sera pour la première fois qu'une mission est une partie du mandat d'une mission d'observation de venir faire le témoin. Témoigner sur quoi? L'observation est à de l'observation de partage des missions d'observation. Ce
que leur candidat était tout passé au niveau des bureaux des votes. Et témoignage qu'on vient de faire devant vous, que la diminution d'observation se baserait sur quoi? En réalité, ce qu'on attend d'une mission d'observation, c'est l'élaboration des rapports. Un rapport qui implique les points faibles, les points faibles et les recommandations. Et ces rapports vont être déposés à la commission de soins de soins de dépendance. Avant que nous venions devant vous. Et ça a été fait pour cette mission d'observation. Ces rapports sont là. Nous avons ici les rapports de la mission d'observation et de protection des défenses des droits de l'homme. Nous déposons dans les différents rapports. Nous avons les rapports de la mission d'observation de la diaspora africaine à l'Europe. Ils ont déposé dans les différents rapports. Nous avons aussi la déclaration de la SADC. Le rapport est là. Nous avons le rapport de la mission d'observation de l'Institut pour la bonne gouvernance et l'éducation électorale, IGE. Le rapport est là. Nous avons le rapport préliminaire de la coalition des organisations congolaises pour l'observation d'élections. Il est là. Nous avons le rapport pour la déclaration préliminaire du forum de la SADC, de la modalité. Nous avons le rapport de Simon Fell qui est là, le rapport de la plateforme de la société civile et enfin le rapport de l'Observatoire de la société civile pour le suivi du dialogue. Ces missions d'observation ont déposé en bonne et due forme et le rapport que nous communiquons à la Chambre. Et ces rapports ne contredisent en aucune ligne, en aucun mot, les résultats rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante. Nulle part, dans ce rapport, il est écrit, comme le sous-tend le référent, qu'il y aurait des bureaux de vote pour lesquels la CENI aurait donné des voix autres que les voix obtenues par le référent de terrain. Nulle part. Autre cours, prenons donc en compte que les missions d'observation qui se sont conformes à la loi ont rempli leur tâche. Ils ont formulé leurs recommandations et ces recommandations ont été prises en compte par la CENI. Ces recommandations sont contenues dans les différents rapports. S'il y a une mission d'observation qui n'a pas transmis son rapport à la CENI, c'est une mission d'observation qui a fait autre chose que ce qu'on attendait d'une mission d'observation, nous serons étonnés et votre cours prendra en compte du fait que cette mission aurait violé la loi et donc les affirmations, les allégations d'une pareille mission d'observation dépassent le mandat, dépassent l'étendue du pouvoir d'une mission d'observation. Vous considérez que cette demande est une demande superfétatoire. Troisième moyen. On estime que la CENI, ou on allait que la CENI pourrait exclure du vote un certain nombre de lecteurs de l'entité de Béni, Béniville, Boutin-Mobile et Yomi. Mais en réalité, Monsieur le Président, il y a une décision de la CENI qui est attaquée devant vous, le dit pas expressément. Il appartient à la CENI de pouvoir dresser le calendrier, d'établir le calendrier et de le modifier. Et ça a été fait. C'est cette décision-là de modification du calendrier qui est attaquée devant vous. Mais est-ce que votre autre qui siège en matière de contentieux de résultats maintenant est habilité à connaître de ces allégations, de ces moyens? La décision de la CENI ne sera jamais contestée devant votre autre cours qui traite des contentieux des résultats. Mais prenons que votre cours considère quand même qu'elle peut s'intéresser à la demande. Mais l'ancien problème, les articles 5 et 15 de la Constitution ont évoqué, ça nous pousse à nous demander, à nous poser la question de savoir si on est devant un contentieux en constitutionnalité.
avons 9 800 pour bénir. Territoire, 182 108 pour bénir. Ville, pour timbre, avec 327 780 points, et le ministre, 66 223. Ça fait un total de 1 245 941. Mais, sans ce sont des électeurs attendus. Si les scrutins avaient eu lieu, on attendrait ces électeurs-là. Mais en réalité, si nous prenons le taux de participation moyen qui a été réservé au niveau national, la 47,56%. Le 47,56% du taux de participation nationale impliquerait que s'il y avait un scrutin dans ces entités-là, on aurait une moyenne de 592 588 électeurs votants, comme total votant. Mais même là, tout en se posant la question si ces électeurs auraient pu voter pour qui, mais même à ce niveau-là, ça n'atteint même pas, ça n'épargne même pas l'écart qui est de 684 280 voix entre les deux candidats. Parce qu'il a été cité ici la jurisprudence de l'Empalais. On oublie que les Palestiniens sont circonscrits à un siège. Et les cas de voix entre les candidats en compétition en son temps étaient des cas sans voix. Et que les secteurs pour lesquels les élections avaient été annulées, ces secteurs-là contenaient en 8 ou 5 plus de 15 000 électeurs. Et donc, c'est bien normal que, en son temps, la Cour qui avait été saisie, pas en contestation d'une décision administrative de la CENI, mais en contestation des résultats. C'était donc bien normal qu'en ce moment-là, la Cour ait considéré que ça pouvait avoir de l'influence. Voilà pourquoi la Cour avait estimé que la délocalisation des électeurs, il ne s'agissait pas de la non-organisation, mais la délocalisation des électeurs dans un secteur bien précis était une cause d'invalidation des résultats de l'EPAL. C'était ça la réalité. Si on est venu citer la justice devant vous. Et dans le cas d'espèce, même si nous exploitons toutes les formes et tous les fonds possibles pour ce moyen, nous considérons que ce moyen est sans objet. Il ne fera pas en sorte que le référent soit proclamé élu. Et devant cette réalité, devant cette certitude que les résultats proclamés par la CIN sont des résultats sincères et vrais, vous continuerez l'élection du candidat proclamé provisoirement élu par la CIN dans l'intégralité de ses voix, et vous confirmerez que les autres ont aussi les voix qu'ils ont obtenues, c'est-à-dire13 voix, soit 38,57% des suffrages exprimés pour le candidat Félix Tshisekedi Tshilombo et 6,366,732 voix, soit 34,83% des voix obtenues pour le candidat récurrent M. Fayou. Voilà, nous estimons, Monsieur le Président, que nous avons formulé dans votre juridiction, nos observations techniques et avec votre diligence, mes collègues qui sont avec moi, ils ont des éléments de. Voilà, il n'y a plus rien à ajouter. Nous pensons que nous avons été clairs devant vous et nous sommes prêts à répondre à d'autres éventuelles questions qui viendraient de votre discours. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nasseni, pour vos observations. La Cour va devoir accorder parce que tous les experts se rallient à votre présentation.